Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45 et Ellie, elle est ici, hop, on se recache, bienvenue pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 avec l'épisode 20 et on continue exactement là où nous nous étions arrêtés face à des Scar énervés, pour le coup, on va pas se mentir, et ça risque de swinguer. Il est mort. Et ça risque de swinguer, mais je l'avais dit. Je l'avais dit que cette fois-ci, ça allait swinguer. Donc là, ils vont essayer de chercher un petit peu partout. Sauf qu'ils ne vont rien trouver parce que je suis très loin. Et je vise très bien, surtout, comme d'habitude. Un casque ou des écouteurs. Prenez un petit truc à boire et à manger. Profitez de la qualité. Et n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Et puis c'est reparti, ça va swinguer. Deux à gauche, une en face, toujours. Ils ne peuvent pas savoir d'où ça vient. Hein. Donc ils sifflent en fonction de ce qu'ils trouvent ou non. Ouais, mais c'est comme ça, la rue. La rue, on a peur de rien ni personne. Putain, j'ai toujours pas de scotch. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Ok, ils arrivent en boule d'axe. Inutile de jouer au héros. Ah, c'est incroyable, comment il peut savoir? Une vague à... Laisse-le, espèce de lâche! Elle m'a eu! Ça lâche! Ta gueule! Ta gueule! Toi, tu fermes juste ta gueule. Tu comprends ça? Vous pouvez pas savoir où je suis. Je suis une machine à tuer! Envoyez le prédateur s'il faut! Faites attention. Ok. Quasi sûr d'avoir entendu quelqu'un ici en fait. Alors mon frérot, il est où? Je sais que t'as pas vécu. Oh non! Oh putain, on t'a ouvert! Ok, on a quelqu'un ici. Deux. Oh la vache, 1, 2. Chut.
C'est une blague. C'est une blague ou quoi? Oh la RNG, frère! Allez. Ok. Deux juste au-dessus. Désolé monsieur. Ok, toujours au-dessus. Deux. Pas un problème. Allez, au bordé. Attends, encore au-dessus? Putain. Sacré parking. Sacré parking. Encore au-dessus, c'est pas vrai. C'est un aller simple pour l'enfer ou quoi ce parking? Ok. Je reste très concentré. Je t'emmerde. L'acuité visuelle est basée sur le mouvement. Regardez, regardez les expressions de visage. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime, putain. C'est bien, Maëly. Ici, on n'a plus de pitié, on n'a plus rien, bordel. Que de la haine, que de la haine. Ok. On s'en est plutôt bien sorti en ce début d'épisode, en vrai. Pas ce que vous en pensez. Ah. En fait, on est vraiment... Okay, c'est fini. En fait, on est vraiment un chasseur. Oh, ces gens sont complètement tarés. Ouais, mais ça me plaît, ça, Ellie. Ça me plaît énormément. Ok, hôpital là-bas, pardon. Quoi? Encore? Here we go again? Chier, en voilà d'autres. C'est pas possible! D'où est-ce qu'ils sortent comme ça? Y'a plus de bruit. Attention, vagabond. Oh non. 1, 2, 3, 4. Beaucoup de wolves sont tombés aujourd'hui. C'est vrai. Mais... ils sont encore nombreux. Ils se rassemblent. Ne t'en fais pas. Nos éclaireurs les ont à l'œil. Ils ne nous prendront pas par surprise. Que le courant... Attention, ça a pété, hein. Quoi? C'est une embuscade! Derrière les braqueurs!
Lâche-moi, Wolf. Attends. Fruit. J'arrive pas à viser avec quelqu'un comme toi qui m'a raconté ça. C'est pas grave. Hop. Malheureusement. Ok. Ok. Ok, c'est un bataille. What a one. Hop. Voilà. Voilà. Bah ouais, mais faut mourir, madame. Ah non, mais elle voulait un one on one, je lui offre. Oh putain, elle a été. Je crois que c'est fini. Cette fois, c'est fini. Je hais cette ville. Ouais, elle est pas ouf. Hein. Je suis assez d'accord avec toi, bon, Ellie. Il est où ce putain d'hôpital? Il doit être là, les gars. Pause de partir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça on prend. Ça on prend. J'avoue que ces derniers épisodes, on n'a pas trop le temps de, tu vois, pas trop le temps de discuter ensemble, on n'a pas le temps de se retrouver autour d'une petite, tu vois, une petite bière. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ou un petit Coca-Cola zéro. C'est vrai que ça swing beaucoup. Ça serait bien qu'on se retrouve entre nous. Ouais, là, il n'y a rien à faire, en fait. Par contre, je crois que derrière, hop, 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 non, je crois que derrière, il y avait quelque chose, non? Si je ne m'abuse. Que dalle! Allez, on se recasse. Ah, vitrine derrière, non. On se recasse, on se recasse. Numa. Merci. Et de rien. Et merci. Oh, nickel, hein, les portes en verre. Hein. C'est vraiment, vraiment pratique. Merci. Vous voyez, c'est l'épisode 20. Bah voilà, maintenant il est temps de vous le dire. Hein. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour le mascara. Merci pour les likes, merci pour vos commentaires. Merci pour tous ceux qui soutiennent depuis toutes ces années. Ok, on va passer par là. Ok. Ah ah ah. Monsieur ? Espèce d'enfoiré ! Ah ! Oh. Aïe ! Aïe ! Mais putain, bande de forceurs, c'est un truc de ouf, la famille ! Ah, je suis mort. C'est trop! C'est trop! Arrête! C'est quoi ça? Je vais devoir m'équiper en conséquence, les amis. Je vais devoir m'équiper en conséquence et attends, non, 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 c'est trop! T'es une putain d'enfoiré! Mais ouais, vous êtes malade ou quoi? C'est dans ta gueule, ça. Ok. Nouveau type d'ennemi. Des mecs qui survivent. Putain de merde. Bon nombre de balles. Bougez pas. Bon. L'hôpital. Incroyable, sans déconner. Oh là là. Pris ma part encore. Hein. Tout ce que je prends, c'est tellement gratuit, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on prend. Ça fait du bien là. Une petite pause, par contre, j'avoue que ça. Ça flunge depuis pas mal de temps là quand même. Hein. Ok, ça on prend. Ouais. C'est tout? Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Bon, allez. Désolé, je suis mort en ce moment, j'avoue, je meurs pas mal de fois pour le coup. Mais quand t'as pas le temps de t'équiper de la bonne arme, t'es obligé de prendre un coup un peu gratuit, tu vois.
toujours pas d'établi. Ça fait longtemps, en vrai. Là, ça serait pas mal. J'ai assez de pièges, je pense. Pour améliorer au moins un petit truc. Là, on n'a rien. On va tout fouiller avant de monter là-haut. Voilà. C'est pas négligeable, là, le nombre de munitions qu'on a. Je vais essayer ça. Ok. Alors, on va tout fouiller aussi. Là, on est plein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh, le scotch... putain, c'est une denrée tellement rare. Dommage. Hop, voilà. Je voulais du scotch. J'avoue que le scotch, je pense que c'est le truc le plus rare un peu de cet opus. On trouve assez rarement pour le coup. Tant mieux après. Faut que ça soit quand même un minimum équilibré, mais faut pas crafter toutes les deux secondes un molotov, ça sert à rien. Putain, je dis ça, je fais que trouver des scotch, c'est n'importe quoi. Y'a rien qui va. Ok, des ciseaux, du papier. Pas mal, pas mal, pas mal. Bon! Eh bien écoutez, ça c'est fait. On fait quoi? Je pense qu'on peut encore monter. Eh bien montons. Montons jusqu'à voir où cela nous mène. Ok. Oh putain, on y est presque. Ah, je vous l'avais dit, hein, il va falloir 3 épisodes. Hein. Ok. C'est bizarre un toit comme ça, tu vois. Un toit mais pas d'ennemis. Je trouve pas ça ouf. Un peu chelou. Ok, on y est bientôt. Bon, il nous aura fallu 3 épisodes, les amis. 3 épisodes depuis la fin du flashback. Et encore, on n'est pas arrivé. Donc, wait and see. Il est là, l'hôpital. Hein. Ah, on va y arriver, hein. C'est pas le problème. Hein. Mais 3 épisodes quand même. Hein. C'est pas à côté, cette connerie. Hein. Alors. Tiens, tiens, tiens. On va passer par ici calmement. Ok, on est pas mal. Normalement, il n'y a pas grand chose. J'essaye de prendre le réflexe d'allumer à chaque fois la torche. Alors, nouveau message. On a un coffre. Tom, j'entends des coups de feu à longueur de temps. On n'a personne pour nous protéger de cette secte de fous. On ne peut pas attendre que le Wesh la famille nous trouve. Il faut qu'on marche jusqu'à leur base et qu'on se joigne à eux. Commencez à faire des provisions dans le coffre. Je sors réparer la meilleure route. Je reviens le plus vite possible avec un plan. Fais attention, MK. Ok, 38, 55, 23. 38, 55, 23. Très bien. Et il est où le coffre? C'est ça le problème, c'est que si j'avance trop, on va se retrouver comme des boubours. Il est forcément derrière, non? Voilà, il est forcément là. Bien sûr qu'il est forcément là. Très bien. 38, 55, 23. Allez, c'est parti. 38, 55, 23. J'ai déjà oublié, je crois. 38. Nickel. Allez! Qu'avons-nous là? Une flèche explosive, c'est cool. 18 médicaments, 3 balles de carabine, de l'explosif, des soins, mais qu'ils ont rien à voir avec le coffre, une bouteille pleine.
J'ai un scotch. C'est tellement rare, les scotch chiants, putain. Voilà. Tellement, tellement rare. Un établi, c'est pas mal aussi, ça. Hop, oh, ouais, alors on a de quoi modifier avec les stimulants, là, c'est cool aussi. En vrai, on est très, 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 très bien. On est plein niveau bouteille. Bon, niveau établi, où en sommes-nous? Alors, en vrai, la stabilité, peut-être, je sais pas, j'améliorerais bien dégâts, stabilité, cadence de tir des flingues. Je pense que la stabilité de celui-ci, hein, pour le coup. Hein. Parce que lui, il a vraiment... Il bouge énormément quand je tire. Donc je pense que on peut encore le modifier. Plus bon, c'est l'arme à Joël, c'est normal, c'est la famille. Faut penser à lui. Faut penser à lui. Après, on s'occupera de l'arc, de préférence. Très bien. On est reparti. On a grave bien géré. Allez, let's go. Alors, on a quelque chose ici. Non, on a juste ça, en fait. On a juste ça. On y est presque, hein, regardez. Hein. On va y arriver, les amis. Épisode 20, c'est l'hôpital. On va y arriver, quel plaisir. Alors, vous l'avez trouvé? Elle s'est enlevée quand on avait le dos tourné. On a tout ça. Ça va recommencer, si on est parti en enfer. Enfuis. De qui parle, bordel? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Attendez, je suis un peu débilos. C'est là? C'est là qu'il faut aller? Non? Je comprends pas par où il faut passer. Ah bah oui, je comprends mieux. Ok. Ah, on l'avait vu. Fais pas un bruit, c'est clair. Les mains en l'air. Doucement. Doucement. Tu la connais, Nora? Oui, je la connais. Où elle est? Elle est dans l'hôpital. Où ça, dans l'hôpital? Il vide les étages supérieurs. Elle doit être là-bas. Alors, si jamais est joué à la PS Vita et est joué à Hotline Miami, voilà, hein, on reconnaît par la musique ou par l'image. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen d'ailleurs de voir cette petite image? Donc voilà, est joué à Hotline Miami, c'est un très très bon jeu, c'est un Die and Retry, donc je vous le conseille. Et la dédicace est plutôt sympa pour le coup. Bon, oh là là, là vous voyez là, autant de munitions comme ça. Tu sens que ça va swing ou pas? Tu le sens? Bah moi je le sens, mon pote. Je le sens. Alors ça, on l'avait vu dans la démo qu'ils ont montré un ou deux mois avant la sortie du jeu. C'était 20 minutes de gameplay. Donc ça en faisait partie. Et c'était ce passage là. Ça commence à me casser un petit peu les couilles, je vous avoue, là, c'est quoi ? Voilà.
Allez, bienvenue dans l'hôpital. On se bordit. A priori, on a bientôt terminé. Tant mieux. J'ai ma meuf qui m'attend à la base avant tout. Moi, il t'a encore mis. Faut que je monte à l'étage. Eh ouais, on forme une bonne équipe. Tu m'étonnes. C'est vraiment pas juste. Si tu veux un conseil, sors avec un soldat. Y a rien de mieux pour faciliter la vie. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Putain. On dirait que les Scars se rapprochent. J'espère que nos gars sont en train de buter ces cinglés. Hé, hey, tu sais pourquoi on nous envoie tous à la base avancée ? J'ai entendu dire qu'Isaac voulait qu'on prenne le contrôle du centre-ville. Parce qu'on raconte, on va peut-être les attaquer. Impossible. Pas après ce qui s'est passé la dernière fois. Isaac est pas fou à ce point. C'est ce qu'il se dit, en tout cas. Oh là là, les chiens, quel enfer. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Désolé, je suis obligé de me débarrasser du chien. Putain, mais qu'est-ce que je branle ? Ok. Près du camion. Ferme-la ! On l'a coincé ! Merde ou quoi ? Merde ! Non, c'est... Attends, là c'est trop, ma sœur. Là c'est trop, j'ai dit. Beau, quoi. Ça se passe dans le Tiex. Oh, bordel. 1, 2, 3, 4. Ça va. C'est rien, c'est la rue, hein. Bon. C'est la vie que j'ai choisi de mener, les amis. Putain, toujours pas de scotch, hein. Cette denrée si rare, mais si belle aussi. En vrai, on peut limite monter en haut de la tour. Et... Quoi ?
Ok. Ok. Ah bah on est dans une tour de sniper, hein. C'est pour sniper, hein, j'ai envie de vous dire, donc ça serait dommage de pas en profiter. Donc, il reste qu'une personne en fait, mais j'arrive pas. Oh, ok, d'accord. Cascade. D'accord, tout est relié, putain, bah ouais. Mais... quand c'est la première fois que tu fais le niveau, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Je vois les pistes. Trouvez-la et butez-la. Attends, petit. Ok. Respire. Sean ! Ça venait de cette direction ! Ça, c'est très beau, ça. Désolé, Sean. T'aurais dû rester dans The Walking Dead. Je te l'avais pourtant dit. Ok. J'ai vu un gars passer par ici, je l'ai plus jamais... Ah, très bien, il est parti là-bas. Putain, on peut faire des trucs trop stylés avec un otage, mais Je l'ai trouvé ! Je sautais ! Putain ! Incroyable ! Cette fois, je te tiens ! Je suis extrêmement concentré. Ok. Et B. Ça finit, il en reste encore quelques-uns. Là, on a quand même fait une belle part du boulot. Il n'y a plus qu'à fouiller tranquillement. En soi, j'avoue qu'il donne tous les outils pour faire les choses sans se faire repérer. Mais à contrario, si tu fais tout sans te faire repérer, tu peux pas tout fouiller en fait. C'est un petit peu compliqué. Donc, tu as à chaque fois deux choix. Après, ça me gêne pas. Donc, ça part en bagarre. Je vous l'ai dit, c'est une vengeance. C'est de la haine. Faut que cet épisode soit très sombre, tu vois. Faut qu'il y ait énormément de sang. Et ben, on est bon. Les amis. Je crois que c'était ici, en plus, la sortie. Donc, on va tout fouiller. On va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve pour l'épisode 21. On va voir si cette fois-ci, Nora, est encore là. Ça serait bien. Ça serait bien parce qu'on a passé quand même tout le jeu, soit 20 épisodes, à courir après littéralement des fantômes parce que Tommy avait déjà tué tout le monde et c'était assez terrible. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Regardez, regardez cette vaste zone. Regardez-moi tout ce qu'il y a à fouiller. T'aurais pu le faire, j'aurais pu le faire en vrai en full discret, hein, pour le coup, mais sans même pas se faire capter. Mais je suis pas sûr que ça soit ouf, parce que finalement, tu fouilles pas grand-chose. Alors que quand il y a des headshots, tu vois, quand tu vises la tête, quand t'exploses des crânes, faut avouer que c'est quand même bien badant, tu vois. Y a rien de mieux que ça. Hop, ça en fait. Ça. Oh, je vais me régaler. Il manque plus qu'un petit peu de scotch. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao, on se retrouvera pile poil devant la salle qui nous intéresse. Bisous, ciao.